Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les suites et sur Python avec mise en situation. Donc on a des planches, avec des planches on fabrique un objet ici étape par étape. Donc étape 1, on a 4 planches et ça forme une sorte de carré. Ensuite, étape 2, voilà, on a 3 carrés, sachant qu'entre chaque il n'y a qu'une planche. Hein, et on construit comme ça progressivement. L'idée c'est de calculer le nombre de planches nécessaires pour la énième étape. D'accord Il y a 4, vous voyez, pour la première étape. Et on va compter, essayer de trouver justement un lien entre UN plus 1 et UN, ce qui s'appelle une relation de récurrence. Alors, ensuite, on utilisera la calculatrice rapidement pour voir comment on peut utiliser cette relation, hein, et calculer ce qu'on peut faire avec 130 planches. Et on passera après sur du Python avec tout d'abord, je vous le dis, au menu, une boucle simple, pour calculer les termes d'une suite, très importante. Ensuite, 4, je vous donne un programme, un programme de seuil, vous l'utiliserez juste pour... Euh, une valeur assez petite, hein, pour apprendre à gérer ce qu'on appelle les boucles conditionnelles, et on finira par un Python, un script Python, qui utilise les listes, hein, avec une instruction donc, qui s'appelle append, hein, qui tombe parfois au bac, donc quoi. On est parti. Je représente donc ici l'étape 1, donc u1 vaut 4, étape n égale 1. Maintenant, je vais aller reconstruire donc l'étape 2 à partir de l'étape 1. Donc je redessine le premier carré, donc pour avoir la valeur de u2, j'ai donc les quatre planches de U1, donc U1, plus quoi Comment va-t-on recréer notre étape 2 Eh bien ici, regardez, on va tout simplement procéder par le côté droit. Alors, moi je le vois plutôt comme ça. Ici on rajoute deux planches, ensuite deux planches, et ensuite on ferme avec ceci. D'accord Donc j'ai fait quoi ici J'ai donc deux paquets de ici de planches jaunes. Donc je vais mettre 2 fois 2. Ensuite, plus les deux qui sont en. vous allez vous dire, mais pourquoi vous faites ça Alors, Regardez l'étape suivante. Donc pour l'instant U2, c'est U1 plus 6. U1 plus 6, 4 plus 2. Ça fait 10. Vous voilà. pouvez compter, il y en a 10. Mais compter comme ça, ça n'a pas un grand intérêt. Si vous comptez U3, je crois qu'on en a 18. Mais l'intérêt, c'est de voir comment on va avoir U3 en utilisant U2. Pour avoir U3, après avoir dessiné déjà U2. Je vais faire, essayer de répéter la même procédure. Donc je rajoute ici 2. Puis encore 2, oui, ça monte pour aussi, Puis encore 2. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, mais il y a un paquet de 2 en plus et on ferme. C'est-à-dire qu'ici, qu la fermeture va être commune à toutes. Et c'est le nombre de paquets jaunes ici qui va changer. Donc cette fois-ci, j'ai 3 hein, paquets de 2. Donc 3 fois 2, 6. Plus, donc ici, les 2 bleus. Donc on rajoute 3 fois 2, 6 plus 2, 8. On avait 10. Et voilà, on a bien trouvé. U3 égale 18, vous pouvez compter. Maintenant, on va regarder U4. Je redessine U3 et je vais rajouter, donc, encore une fois, ici, un paquet de 2, un paquet, deux paquets de 2, trois paquets, quatre paquets, donc un paquet de plus qu'à l'étape précédente, et on ferme avec nos deux bleus. Donc, j'obtiens, cette fois-ci, quatre paquets donc de 2, donc 4 fois 2, plus mes deux bleus. Ça me donne donc 2 fois 4, 8 et 2, 10. On a rajouté 10. Ça nous donne 28. Donc U4 vaut 28. Alors vous remarquez un petit peu ce qui se passe. Hein. Donc on a 4. Après, on a rajouté donc 6 plus 6. On est passé à 10. Ensuite, on a rajouté cette fois-ci 8. On est passé à 18. Ensuite, on rajoute 10. Et donc ça passe à 28. Ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, il y a un paquet jaune en plus. Donc, il y a deux de plus. Ça veut dire qu'on rajoutera au coup d'après 12. Donc, ça fait 40 plus 12 et ainsi de suite. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on passe de l'étape n à l'étape n plus 1 Pour aller de un à un plus 1. Donc, je reconstruis n, Donc, un plus 1, c'est un plus quoi Eh bien, on va rajouter encore nos planches jaunes à droite ici par paquet 2. D'accord Cette fois-ci, il y a n plus 1 étage. Donc, je vais en rajouter deux fois n plus 1, d'accord, pour aller jusqu'à, donc ici, et jusqu'au nouvel étage tout en haut, et on ferme avec nos deux bleus, hein, comme on a fait depuis le début, donc plus 2. Donc vous voyez, on vient de trouver ce qu'on appelle une relation de récurrence. Un plus 1 égale un plus 2n plus 1 plus 2. Ça veut dire que si on développe ici parenthèse, un plus 1 est donc égal à un plus 2n, ensuite plus 2 fois 1, 2 plus 2, 4, 2n. Plus 4. Voici la relation qu'on trouve par analyse de la situation. Cette relation s'appelle une relation de récurrence. Elle est valable ici pour n entier naturel, donc n appartenant à n, non nul, puisque la suite commence à u1, donc pour n appartenant à n étoiles, on peut dire que un plus 1, c'est le terme précédent un plus 2 fois n plus 4. Et cette relation, qu'on appelle une relation de récurrence, elle permet de calculer un terme grâce au précédent. Et on va s'en servir, là, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais la réécrire. Donc, un plus 1 égale un plus 2n plus 4. Cette relation, elle est utilisable donc pour n naturel non nul. Donc, n strictement positif. Donc, ici, regardez ce que ça donne pour n égale 1. Si je remplace, faisant très attention à n par 1, j'obtiens u2. C'est-à-dire le terme en 2. Le nombre de planches à étape 2 est égal au nombre de planches à étape 1 plus 2 fois hein, N vaut 1. On remplace donc n par 1. 2 fois 1 plus 4, ça fait donc U1 plus 6. U1 plus 6, ça fait bien 4 plus 6. On retrouve 10. Pour N égale 2, ça va donner donc U3. Je remplace ici, ça fait 2 plus 1 3. Égale U2 plus 2 fois, cette fois-ci, n vaut 2, donc 2 fois 2 plus 4, j'ajoute bien 8, ça fait donc 10 plus 8, 18. On continue, pour n égale 3, donc u3 est égal à u2, euh, pardon, pour n égale 3 c'est u4, excusez-moi, u4 égale donc à u3, plus 2 fois 3 plus 4, on rajoute donc cette fois-ci 10, u3 plus 10, 18 plus 10, 28. Là, comment on utilise une relation comme ça, dite de récurrence. On remplace en faisant très attention ici partout le n par la même valeur. C'est comme une fonction qui ne travaille que sur des nombres entiers. Deuxième question. En utilisant le mode récurrence de la calculatrice, déterminez combien d'étapes on peut faire avec 130 Alors Déjà, on va le faire à la main. Et donc, on va chercher quand est-ce qu'on atteint 130 ou qu'on dépasse. Donc, on a U1, on rappelle, hein, c'est 4. Donc, après, on, a, on rajoute 6 puis on rajoute 8, puis on rajoute 10, après on rajoute 12, puis 14, puis 16, puis 18, puis 20, donc ça fera 108, puis 22, ça fait donc 130. On compte, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là on a U10, donc on peut faire 10 étapes. Regardons ça à la calculatrice. Je vais prendre une Casio, ici, donc dans le mode récurrence, donc menu récurrence, ici an plus 1, donc hein, vous prenez le type de suite où il y a marqué a n plus 1 égale quelque chose fois n, donc c'est le deuxième. Et là un hein, a représente u, donc on va rentrer dedans oh, pardon, on va donc valider ça. Donc là vous avez ici an et n, comme un et n, donc je vais écrire n plus deux fois n plus, on a dit, donc 4. Ensuite vous allez régler en indiquant, donc on va démarrer à start 1, donc c'est U1. Ici, c'est donc U1 ou A1 égale à 4, et on va aller jusqu'à 25. Vous n'avez plus qu'à valider table, et vous avez ici tous les termes de la suite qui apparaissent les uns après les 4, 10, 18, etc. Tous ceux qu'on a comme ça trouvés depuis le début, on arrive bien à s'entendre, vous voyez, pour l'étape 10. Maintenant, on passe au Python. Écrire une fonction nommée U en langage Python qui permet de déterminer le nombre de planches nécessaires pour une étape. Pour notre fonction U, alors je vous la présente tout de suite, je vais la détailler, donc on va la définir ici le nom. Donc là j'ai mis U, au départ j'avais mis planche pour, mais on va essayer vraiment de faire court, donc U comme les termes en fait comme le nom de la suite. D'accord. Ici on va, ce programme permettra de calculer ben, le terme de la suite qui correspond à grand N étape. Donc si je veux une étape, je mettrai grand N égale 1, si je veux deux étapes, grand N égale 2, etc. Au départ le premier terme donc, pour U1, c'est 4. Et ici, on va faire une boucle. Donc, par exemple, on va faire une boucle simple ici fort. Donc, on va faire varier le petit n hein, de 1 à grand n, de façon à ce que la relation de récurrence qu'on a ici soit utilisée d'abord pour n égale 1, qui nous donnera u2, etc. Jusqu'à grand n moins 1 pour avoir u grand n. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est important, vous hein, l'avez déjà vu en seconde, mais un range 1 grand n, ça décrit une séquence de 1 jusqu'à grand n moins 1. C'est assez particulier mais c'est comme ça, et après on, re, on écrit la relation de récurrence, et on n'a plus qu'à renvoyer la, valeur, la dernière valeur de U qui est calculée. Et après, vous voyez, dans la console, ici, par exemple, si je veux U1, je mets U1, ça doit me renvoyer 4. Effectivement, quand je rentre grand N égale 1, la séquence de 1 à, ici à grand N, elle est vide. Donc, il ne fera, ça ne rentre pas du tout dans la boucle. Ensuite, si je veux U2, eh bien, j'ai bien 10, vous voyez etc et je veux u 10 comme tout à l'heure il va me renvoyer 130 donc c'est bon le petit programme marche la question suivante c'est juste faire tourner un programme donc je vous donne une fonction ici hein, euh, étape pour n planche, d'accord et on va tester ce programme pour grand n égale 11 donc ça veut dire que la condition ici ça sera inférieur ou égal à 11 hein, ce symbole ici c'est inférieur ou égal et ça c'est u de l'étape donc au départ donc avant d'entrer, hein, étape vaut 1, ah, d'accord, quand N vaut 11 n'est pas fixé. Donc là, on a une première condition. Donc on, on arrive sur notre Y, c'est une boucle qu'on appelle conditionnelle. Donc on regarde si la condition nous permet de rentrer dans la boucle. Donc je calcule U de l'étape, donc U1. U1, vous savez que c'est 4. C'est inférieur ou égal à 11, donc la condition elle est vraie. On rentre dans la boucle. Ça veut dire que dans ce cas-là, étape devient étape plus 1, donc 2. Maintenant, on revient plus haut, on revient sur notre condition. On calcule donc u de étape, c'est-à-dire U2. U2 on sait que c'est donc euh, avec euh, ici donc pour l'étape 2 c'est 10 planches c'est inférieur égal à 11 d'accord donc la condition elle est encore vraie donc l'étape devient 3 on revient donc condition on la teste U3 U3 hein, vous savez que c'est 18 mais 18 c'est strictement plus grand que 11 donc la condition elle est fausse on ne rentre plus dans la boucle on va bah, donc maintenant Allez, au return. Et le return, il va faire étape moins 1. Donc comme à ce moment-là, étape vaut 3. Il va faire 3 moins 1. Il va nous renvoyer 2. Donc il faut deux étapes. Quand on a 11 planches, c'est tout à fait normal. Puisque pour 11 planches, on a possibilité de fabriquer la deuxième étape qui n'a besoin que de 10 planches. Donc on a une planche de 3. Vous voyez, Ce programme, il fonctionne. Donc ici. Pour. 11. Voilà, c'est juste pour vous apprendre un petit peu à rentrer dans un programme et à le faire tourner avec une boucle conditionnelle et vérifier cette condition qui vous donne le droit, si elle est remplie, de rentrer dans la boucle. Et si elle n'est pas remplie, on sort et on va à la ligne d'après. Question 5. Donc, un script un petit peu plus compliqué pour ceux qui ne connaissent pas les instructions permettant de gérer des listes. Donc, il faut savoir que pour le bac, ça peut tomber. Donc, pour créer une liste, on met des crochets ici. Là, par exemple, en mettant rien entre les deux crochets, on crée une liste vide qu'on va remplir au fur et à mesure de notre boucle ici boucle, qui va faire varier n de 1 jusqu'à grand N. D'accord Et l'instruction pour rajouter des termes à une liste est tout simplement ici, append, anglais, qui veut dire ajouter. Donc ici, on crée au départ une liste vide, et on va rajouter des nombres Par exemple, si on met append, comme ça, l.append 4, eh bien, votre liste, elle devient 4. Ensuite, si un peu plus loin, lors d'une autre boucle, on rajoute par exemple l.append10, votre liste va devenir 4, 10. Donc ça permet comme ça d'afficher en fin de fonction une liste de nombres. Ici, ça sera les valeurs des un pour n variant de 1 à n. Donc si je tape mystère 4, ça veut dire que je vais avoir 4 boucles. Dans la première boucle, le programme va afficher u1 puisque n vaut 1, donc u1 vaut 4. Deuxième boucle, n vaudra 2, donc u2, on a calculé c'est 10, hein, 10 planches pour la deuxième étape, ensuite il affichera pour la troisième boucle, pour n égale 3, u3, donc 18, puis u4, hein, U, donc ça fait 30, et là la boucle, hein, ici on va de 1 en fait, nous, vous voyez le range ici, c'est un range 1, 5, mais il faut savoir qu'un range 1, 5, c'est une séquence qui va de 1 à 4, donc il n'y a que 4 boucles, donc eh bien, ça veut dire que mystère 4, va renvoyer à un, une liste qui est la liste 4, 10, 18, 30. On vérifie ça sur donc un petit un Python. Hein. Ici, c'est sur un logiciel qui s'appelle Tony, T-H-O-2-N-Y, que j'aime bien, qui est très simple, très compact. Donc, regardez, je vais taper donc mystère, ça c'est le nom de ma fonction, mystère 4, avec ici, la liste annoncée apparaît. Donc, si vous voulez prendre la liste des 20 premiers termes de la suite, on va mettre Mystère 20. Et voilà, vous avez d'un seul coup tout qui s'affiche. Vous voyez, c'est très pratique. Donc rappelez-vous, les listes décrochées. Et si on veut rajouter des termes, on met point .append. Voilà, cet exercice est terminé. C'est vraiment pour apprendre à gérer un petit peu des situations avec des suites définies par récurrence. Et apprivoiser un petit peu ce fameux langage Python. A bientôt.